Bote na balani nyoso ya tokomi wapi eza toujours o abino e penge fofana soki boyoki mungongo boyebaka toujours rendez-vous na tokomi wapi 21h yango na bandaka toujours na kopesa bino mbote e lo baba to mususu lobi ba sepelaki tana lobi keno soki na tali katanga balobaka toujours na swahili ya mujambo soki to ke na este toujours a mujambo soki to ke na sankuru Tulubaka toujours et le baba tete là analengo moyo anyu analengo lingelo baba ndeko na ngai mbote na bino pengye fofana na lobaki na bino ke en 2022 eza ane moko ya état d'esprit et sengeli otala neti bisona to komi wapi pengye fofana na zandenge nini état d'esprit eza na kati na nga kolata monyera liputa etienne sekedi Mais tiens, c'est dit à Nyokoma Amouya Mayo, pour convaincre même Batou. Nazu quand même chance à autant la province à RDC. Aujourd'hui, on va qui moto to mutuka, mon amukia zo tombola toujours musapi. Oké kuna ba sankuru, ti seke di ayo, ti seke di ayo. Mais yo, oyo yo sali politique. Éternel te yé. Mais eloko nini o sali. Yango mwana mboka tuse alonga za nani aza moko ya mongala o aza maître avocat avocat kulata ka tochete avocat kuchia toche na biote avocat penda solo parce que ngana ibi na 2011 comme avocat député national eli ya mwamba moto asuki sa mamba constitution ya mokonzo je makisa na dide ki kuna ba caméra Mon amboka Eliezer, journaliste, tout ça alonga comme député, comme avocat, alonga. Banda kwe koya, okobo ya Mobutu, mais Mobutu a tika ngwele enikima pona bilanga. Banda ni ba komisi ngwele kotonga bandako. Honorable Jekoko Mulumba, ba kobo sana kaote. Soki yote me kingaboye kina, maboko wa balibayena bendye. Ce qui est là, il y a un grand monde qui a été fait pour que je vous remercie. Merci. Attends, comme tu les as un grand, et un grand qui les a toujours. Donc, on a un grand honorable qui a été fait pour que je vous remercie. Il y a un monde qui a été fait à Tali, Etienne Tshisekedi, à reconnaître que tu as un grand homme qui a été fait pour que je vous remercie. Si tu as un âge, leadership politique à Congo, mais même si tu as eu une chance pour que tu aies une date à Etienne Tshisekedi, Abanayi ko fa na bino bo lengu ba bo meli ba ji pe abandiko tu na bino pe abandiko pesa bino o eza na kati nayi me ya ko kamu alelo etetre da kufi bato ba leliye pendant 2 ans bato ba meli ba gaz ba kundie na tsile me bato ba zuke ba lati ideologie nayi lelo ti seke di ase kwa pe perdre parti au pouvoir pendant 18 ans Aucun province ne peut perdre à son siège. Mais Etienne serait d'une opposition à son siège. Mais vous avez le pouvoir. Vous avez combien de sièges? Nazala qui n'a pas dit ma question. Moi, je suis à Eberon. Je suis à la UDPS. Mais est-ce que je suis à Kango? Anyanya wanyan. Na lobby, Anyanya wanyan. Lelo parti au pouvoir. Bendividi, ba sombi mituka, ba ngindi. Me ba bosa nise anzete, moto toa ebi ki aza mouike, aza kombata. A ebi na 2011, soki ba bi se anzete, ezala ki wapi. Na pe zis prezida seba mbote, prezida mokato na pe se mbote, na pe si ba ike nyo so mbote. Lou, Lelo mwana mboka tuse alonga. Lokola ko reconnaître muntu ezate meme maele nayi okobo ya tuse alonga papa. Me reconnaître ta maele nayi. Ko sala kombo na kisasa. Eza peut-être po ebanda kana kisasa ne ke na ba province. Tuse alonga comme député na 2011. Parmi ba député ba meilleur député honorable Franck Edion. Papa na biso honorable Lokundo. Tousse Alonga, honorable Mayo Mambeki, Natangi, 5e Jean-Lucien Boussa,
ba député à 2011 au baningisa assemblée nationale tout ça long a poni ko ça la parti politique na epona nini parce que ba dirigeant a eu des pèses bazon reconnaître ba lié na bangote bazon reconnaître même attendre ba sunga ki bango attendre na maité ba ba sunga bango attendre matana attendre matana mateka ya pambati yango lelo asali parti na PLT moto azongaka kosala d'abord campagne à président de la République na Mongala pe ayeko kende na ngai ko pesa bango merci mais depuis après ça merci ti lelo nanya zongi Mongala merci na mon amboka Martin Faulu soldat du peuple ngai na koma na mon amboka tousse alonga na aéroport ya Lisala na kuta bato ya RVA 30 mois impayé mon amboka tout ça longa misa 400 000 après si bango pona bolingo amboka longoya na mon amboka presse epenge o babenga biso bandoi na kuwanga na ngota ya za presse epenge nga za epenge fufana Laurent ngai epenge fufana Laurent ya za presse epenge atali sibino tour de contrôle oyo zo sala musala na aéroport ya Lisala mais bato wana bazwa musala depuis Mobutu Joseph Kabila opération tongi pa na bino avec Kabila 18 ans bosale lokoti bongo na 5 ans ba bosale loko yango tole na mokonzi ya mboka talela ka bato oyo ya kopesa bango musala problème c'est la faute na epetea po tokoni bato mususu bazwi pouvoir ba wanganya ata ba kombata batindi bato ya église batindi ba camarade batindi ba makango yango lelo même vision ya IDPS ba yebi yango ta ba biso pona musala yango lelo mona mboka tousse alonga a décidé ki ko sala parti politique naye oye bengami na kombo ya PLT onga epenge fofanya na accompagner parce que tout ça za mu pa na bisote oyo tango pe lisanga bonga poni ya enzela ya tikali toujours soyi na kosi ba kombata ya UDPS ba yebi ki est tout ça longa pembeni ya UDPS 3 ans tokina kana ina lisala ko remercier batu lelo atali nini e marcha kite to nini oyo ko senga ba voter mokonzi mboka ka koloba nous soutenons mais oza mutu ya Jera oza mutu ya Sankuru oza mutu ya Mwanda nini osara pona mokonzi mboka po ba linga ye kote ba bota yo to kote ba vota kayo yango bolanda sorti médiatique ya mwana mboka tousse alonga na français na lingala bolanda point de presse du 29 janvier 2022 du Parti Les Transformateurs en sigle PLT. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation dans le cadre du présent point de presse. Mesdames et messieurs, l'avènement du président de la République Félix Antoine Tshisekedi a suscité beaucoup d'espoir aux Congolais et égard au combat historique de son parti politique. Mesdames et messieurs, le 24 janvier 2019, le 24 janvier 2022, jour pour jour, 3 ans, depuis son accession au pouvoir, à ce jour, les interrogations et les doutes commencent à envahir le cœur de plusieurs Congolais dans le sens qu'il faut accorder au changement tant attendu. Mesdames et messieurs, tout au long de son combat, nous citons Etienne Tshisekedi Wamulumba de Rez Mémoire,
Un seul mot à traverser le temps, c'est l'instauration de l'état de droit. Mesdames et messieurs, pour les PLT, l'état de droit ne se négocie pas. On l'impose. Sans la rupture avec les vieilles habitudes, pas de changement. L'état de droit est la volonté de notre constituant, c'est-à-dire notre peuple, qui a levé l'option politique de faire de la République démocratique du Congo un état de droit. Cet état de droit aujourd'hui semble être captivé par la politique, alors que l'état de droit en République démocratique du Congo est un besoin urgent et pressant qui doit contribuer à l'impératif du développement. Sans un état de droit, aucun investissement politique ni économique ne peut prospérer. Après 3 ans de l'exercice du pouvoir d'État sur le plan politique, le parti Les Transformateurs PLT en sigle estime que le gouvernement doit poser véritablement des bases solides pour un véritable fondement d'un état de droit, sans complaisance, car sans un état de droit, quelle que soit la volonté politique qu'un leader peut avoir, dans le contexte politique congolais, ruiné et miné par les flatteurs politiques, des jouisseurs politiques, aucun projet sérieux ne peut réussir. Mesdames et messieurs, l'impératif du développement au regard des enjeux événementiels et contemporains. L'état de droit reste une question d'actualité sans laquelle un état démocratique ne peut se construire dans la durée. Mesdames et messieurs de la presse, répondant à l'appel du président de la République, l'Union sacrée de la nation a été créée sans doute substantiellement sur des valeurs constructives de notre pays, envie de poser les changements, mieux le bien-être des Congolais. Mesdames et messieurs de la presse, malheureusement, force est de constater, ça pour autant, ça peut être contredit, que l'Union sacrée a été très rapidement mieux en un aéropage de partage des pouvoirs, sinon des responsabilités, tournant ainsi le dos aux valeurs qui avaient caractérisé sa création, par notamment l'intégration en son sein certaines personnalités qui ont démontré dans le passé leurs limites en matière de gestion de la chose publique. Mesdames et messieurs de la presse, il est fort probable que toutes ces déviations repérées dans le fonctionnement de l'Union sacrée sont sûrement dues suite à l'absence d'un cadre juridique clairement défini en termes d'organisation et fonctionnement d'une structure qui se veut un instrument politique de développement. C'est pourquoi, pour le PLT, une mise sur pied rapide d'un acte constitutif de l'Union sacrée s'impose dans le net but de rationaliser et particulièrement son fonctionnement. Mesdames et messieurs de la presse, nous pourrons clôturer ce chapitre. Nous ne pouvons clôturer ce chapitre relatif à l'état de droit sans relever quelque chose dans la politique gouvernementale en matière de justice. Certes, des efforts en termes d'arrestation et d'interpellation des détourneurs des deniers publics ont été entrepris. Mais ces efforts se sont révélés finalement inefficaces, car non seulement que les sommes détournées n'ont pas été restituées au trésor public, mais aussi la plupart de ces fossoyeurs de notre économie arrêtés ou interpellés se trouvent être en état de liberté, jetant ainsi un discrédit à notre justice.
D'où l'intérêt pour les gouvernements d'améliorer ou d'accroître les performances dans ces domaines d'instauration d'un véritable état de droit dans l'administration d'une justice équitable. Par ailleurs, il convient de rappeler que plusieurs projets ont été initiés par le gouvernement de la République. Les conditions de vie par le gouvernement de la République pour améliorer les conditions de vie de notre peuple. 3 ans après, les taux d'exécution s'évaluent entre 40 à 50%, alors qu'une année nous sépare des élections. Eu égard à ce tableau, nous exhortons le gouvernement à multiplier les efforts en vue de réaliser un bilan largement positif. Sur le plan économique, mesdames et messieurs de la presse, les PLT constatent, malgré la croissance économique et les retours des institutions financières internationales, il se dégage l'inadéquation entre cette croissance et la qualité de vie des Congolais. Malgré l'exploitation, plus de 100 tas d'Iran et la commercialisation notamment de divers minéraux qui regorgent les sous-sols de notre pays, les Congolais demeurent dans la misère la plus noire. Cas de l'augmentation des prix des biens de première nécessité pendant que le pouvoir d'achat de ces sujets demeure faible. D'où la peur pour les PLT de voir le gouvernement s'atteler efficacement à concilier la stabilité du cadre macroéconomique et le vécu quotidien de notre peuple. Sur le plan sécuritaire, les PLT louent les efforts du gouvernement, particulièrement dans la sécurisation de la partie de l'Est de notre pays, à travers l'état de siège. Cependant, les actions menées sur le terrain doivent être intensifiées davantage pour éradiquer rapidement cette insécurité, sans oublier l'analyse sans complaisance des questions de fonds liées à la maîtrise, au détournement des fonds alloués à l'armée et à l'infiltration de notre armée. Sur le plan diplomatique, le PLT félicite le président de la République pour avoir réussi à briser l'isolement de la RDC et avoir créé un pont entre la République démocratique du Congo et les autres nations. Le retour de la RDC dans les concerts des nations est un atout majeur dans l'instauration d'une diplomatie agissante. Sur le plan de la gestion des institutions, mesdames et messieurs de la presse, les PLT constatent à ce jour que l'Assemblée nationale, où devrait se jouer la dialectique de la démocratie, force est de constater que cette institution n'est ni autonome ni indépendante, caporalisée par le gouvernement. Les questions qui concernent les intérêts majeurs de notre peuple sont écartées au débat au point de faire de cette institution une véritable chambre d'enregistrement. Pour ce qui est du gouvernement, les actions qui devraient couronner le bilan du président de la République devraient au principe être menées par le gouvernement de la République. Malheureusement, ce dernier est devenu spécialiste dans des actions inachevées. Le PLT suggère la mise sur pied d'un nouveau gouvernement composé des hommes et des femmes de qualité capables de trouver des solutions aux questions de fond de notre peuple. Par ailleurs, le PLT constate l'imbroglio généralisé dans la gestion de nos provinces. Au lieu de rapprocher les administrés à l'administration, les institutions provinciales n'ont ni la notion de la démocratie, ni la notion de l'état de droit. Ce désordre caractérisé prépare les lits de l'instabilité institutionnelle si l'on n'y prend pas garde. En conséquence, les PLT proposent la suppression des assemblées provinciales et le retour des systèmes de gouverneurs nommés car les institutions provinciales ne sont pas encore matures. Mesdames et messieurs de la presse, en ce qui concerne la CENI, l'organe est par définition appelé à organiser les bonnes actions
élément de stabilité des bonnes élections, élément de stabilité institutionnelle. Le PLT constate que la mise en place de la CENI, la confiance des acteurs ou des compétiteurs sur cette institution pose problème. Il appartient donc aux dirigeants actuels de la CENI de nous prouver le contraire en étant capable de transformer toutes les critiques qui ont émaillé les élections de 2006-2018 en un village de stabilité. Ce n'est qu'à ce titre-là que les Congolais reconnaîtront dans les chefs des dirigeants actuels de la CENI le mérite. En définitive, le PLT rappelle au gouvernement qu'il a l'obligation de disponibiliser les moyens à la CENI au temps utile pour la tenue dans les délais constitutionnels les élections de 2023. Mesdames et messieurs de la presse, les partis, les transformateurs en sigle PLT, exhortent et encouragent le président de la République, chef de l'État, pour les jours qui nous restent, à opérer des choix de qualité sur ses collaborateurs et des membres du gouvernement afin de prendre à bras le corps les défis de la parenthèse qui nous reste ouverte, car la victoire a toujours des parrains, a beaucoup de parrains, mais l'échec est toujours orphelin. Que vive les partis, les transformateurs, en sigle PLT, que vive la République démocratique du Congo, nous vous remercions. Obanda, président ya lelo azwaki pouvoir, a suscité qui espoir et belé na ba congolais. Mingi tango ba monayi ki auti na parti historique oye bundi pendant 37 ans. Ba congolais ba ndima ki ke koyana Félix Antoine Tshisekedi na pouvoir makambo e belé e ko changer. Mais mokolo simana mbula misate ya pouvoir, tokomi ko constater que ba interrogation mituna et komi ebele na mitema na ba congolais pe doute et komi ko fanda na mitema na bato mokolo na mokolo, parce que congolais en dépit na nyonso tokoyi ko loba moto yaza na nzala aza pressé alia. PLT constate que mbula misato na exercice ya pouvoir, kobanda président alassant ki campagne ya instauration ou l'instauration ya état de droit, tomona ki bato ndenge bakoma iko lenga eza na bato bayiba ki mbongo ya l'état bango mbongo bakoma iko zongisa mbongo. Tomoni ba enquête judiciaire ebele fungwamaki na ba arrestation ya ba mandataire ya babe o ba nayi ko saka na mbongo ya l'état. Mais si manamwa mikolo ko banga oyo état de droit comme iko susciter na mitema na bato mbalamo ko bango ane limo to komi ko mituna bato bazongeli babitini na bango ya kala, wapi ko banga oyo président susitaki na mitema na bato? Et lingi ko loba tout simplement que bacteur politique ba lingi oto bengi yango état de droit na minoko na biso tozo proclamer état de droit, mais na bizaleli na biso toza ko s'éloigner na état de droit. Soki eza na mota zo banga état de droit na Congo, mingi ezaka ba politiciens, parce que kobanda 1960 ti leloyo Congo na biso eza na problème moko. Problème ya Congo ezaka mibalete, problème ya Congo eza moko. Kobanda 1960 ti lelo na 2022 eza problème ya gouvernance. Elingi koloba lolenge ya ko gérer mboka yango ndeza problème makasi ke ba congolais belé nano to komi na intelligence wana te ya koyeba ko gérer mboka. Problème na biso ya makasi yango wana yango tomoni ke sur le plan politique tomona ki instauration ya état de droit ndenge komai ko bangisa bato. Tout le monde a applaudi,
Bato bakomaki kolenga, bato bakomaki koloba bango moko na cité que soko meki état de droit ezali. Soko meki état de droit ezali. Mais si mwana mwa mikolo kobanga wana kimi bato. Bizaleli nyonso ya mabe ya kala ezongi. Moibi mokolo na mokolo. Ba initiative ebele mokonzi ya mboka azwi, gouvernement azwi, mais ezala comment eloko tobengi yango gratuité enseignement kuna bayibi eloko tobengi yango projet à 100 jours bayibi eloko babengi yango tile gelu bayibi même zéro trou na ville ya Kinshasa tozomona ndenge makambo ezo kenda elingi koloba ke congolais a komina no sérieuxté a considérer que mboka ezana maboko nae et que yende mutakoyi ko pesa mboka lolenge ya malamu ndenge ba congolais belé balingi ko bazwa kozela. Cette façon de faire la chose sur le plan politique est suscité ba interrogation na ba inquiétude na mitema na batu ebele. Sur le plan politique, et là on suit comme que l'idée à liboso président benga ki bato ba créer union sacrée ezalaki bato ba tourner mo Congo na bango na ba ti valeur ba ya po ba sangana autour ya ba valeur en fait que makambo na mboka ekenda liboso. L'union sacrée lelo et komi eloko moko tout simplement que esale makigaga ce qui bazo partager pouvoir gouvernement tonenge ba sala pona ba mandataire ba sangani ba kaboli pouvoir mais le combat autour ya ba valeur est à l'union sacrée. Ça c'est le constat ya parti na biso et nous restons ouverts na débat na moto nyonso. Moi qui vous parle, je suis l'un des soutiens ya président république. Mais je me fais l'obligation morale, au nom de la responsabilité républicaine, de dire les choses qui ne marchent pas. J'ai été un combattant comme tous les autres combattants. Je me suis livré à un risque et belé, à un combat et à un changement. Et ce combat-là, ils ont dit pour tout le changement dans Mboka. Ce n'était pas pour autre chose. L'Union sacrée, les lots, ce que les talibans figurent dans mon acquis, dans la télévision, Mikolezoya. J'ai l'impression que Toza deva FCC bis. Parce que Zana bilongi a bato. On va symboliser changement. Zana bilongi va symboliser changement. Sur le plan économique, tout le monde dit que malgré l'exploitation, il y a des minéraux qui sont en boule à Kama. Quand on a exploité diamant, ce qui est na Kassai, les Kassai demeurent pauvres. Ce qui est na Otamboli, Mboka Mobimba. Et belé à la minéraux tous en ango, mais le Congo demeure pauvre. La minéraux en est au profité la banane. Nous avons un état de droit et qui, quel que soit grandeur na yo, na combo na yo, tout le monde, il fallait me quitter ça, na serre bokonzi, na état de droit. Mais le lot au monde, il y a des Congolais, malgré ma gérer ma belle lobby, mais le lot justice nabiso, ils sont incapables, y a quoi interpeller bango. Je peux vous dire même en réalité que l'Union sacrée, l'élo, est comme le quoi la blachisserie. Ce qu'il y a dans l'Union sacrée, au bénéficiaire de la loi et amnistie. Ma bénion, ce salaki, ils ont effacé. Nous avons dit le combat de notre père, Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est la rupture avec les vieilles habitudes. Que dire alors dans le trafic de fluence, où ils ont dit l'élo? Que dire alors de l'injustice? Que dire alors de la corruption? Ou comme style mode de vie. Que dire de toutes ces choses alors que lobby to bundaki pour que Makambwana échange. Sur le plan sécuritaire, toujours sepela, peut remercier fort le gouvernement et fort le président de la République pour la stabilité est. Mais toujours mon ma question de fort, Makambwana Mozindo et Sengez à l'aborder, notamment trahison et au Salema na niveau il y a armée, notamment infiltration armée na Batomosu sur Libanda, notamment Moïbi Yambongo, au Bazo Pesa na armée, pour servir ma militaire, Bongoane a détourné. Toutes ces questions-là, ma réponse n'ango, peuple Aza Ozela. Tout le monde est que gouvernement et Banaïko Kanisaki, parlement, population Banaïko Kanisaki, parlement, ou l'ingéko Zala, temple et démocratie. Mais parlement na biso, au lieu de débattre ba question za na ba eux za ko senga discussion autour ya ba problème ba congolais mais parlement ezo likisa temps
na makam mususu au lieu à la temple ya démocratie mais par le moins comme inféodé na makambo ya gouvernement makambo etali ram malgré la position des parlementaires malgré position ya commission ECOFIN lors ya budget à 2022 le parlement aza incapable ya obligé gouvernement à tia makambo ya ram à côté tout simplement parce que nous n'avons pas un parlement autonome capable de assimiler. Je pense que ce parlement a joué mon salaire dans le gouvernement, à tant de membres du gouvernement à Ouigo Sakana. Et puis, pour la partie des transformateurs, tu as dit ça l'appelle dans Batonios. Ceux qui prétendent dire que Balingi président, ce que vous avez dans le gouvernement, vous avez un mandataire, Tika Moïbi. La meilleure façon de soutenir le président, c'est de Tika Moïbi. La meilleure façon de soutenir le président, c'est de dire la vérité. La meilleure façon de soutenir le président, c'est d'être actif dans ma Kamboya Malamu, en fait que Congo, lobby et téléman. Quel bilan te représenter en 2023? Ce qui est un effort de plus et au salaté. Yango, parti le transformateur. Et c'est un président de la République. Qu'il faut un gouvernement composé des hommes et des femmes et à qualité. Le gouvernement, c'est un fourre-tour autour de moi, complaisance et belé. Il suffit seulement qu'on ait autant de députés qu'un gouvernement. Même ceux qui sont sur le plan moral, sur le plan éthique, aux aventuriers, mais parce qu'on a des députés, les personnes qui ont travaillé hier sous Mobutu, ont échoué dans Mobutu. Les personnes qui ont travaillé hier sous Kabila, ont échoué dans Kabila. Les mêmes personnes, ils ont dit lelo. Qu'est-ce à dire? Est-ce que toujours bunda pour l'intérêt à la population? Ou parce que Batowana, Bazaki n'a pas député, alors pour constituer un gouvernement, l'unique prix à payer Zaki, Oye n'a pas député, même si tu es le fils du diable, au commis membre du gouvernement. Cette façon-là, parti, les transformateurs, ils ont critiqué en sévèrement. Atata Maman Bandeko, Tala ont résumé. Pendant que Souki ça, parti, les transformateurs, ils ont encouragé et exhorté le président. À ça, le choix et la qualité de nos collaborateurs. À ça, le choix de qualité de nos membres du gouvernement pour nous collaborer au Totikali. En fait, le défi, c'est que nous avons dit que nous avant que en 2023, ils ont pris en charge de nos personnes de qualité, capables de nous mettre en charge et de ce qui change moi, c'est dans Mboka. Mais quel est le temps de battre pour constater que changement est allé? Le changement, ça se constate. Même ennemi n'a pas constaté que changement est côté. Voilà l'essentiel. Il y a message, il y a parti les transformateurs. Je vous remercie. Merci. Lelo, 3 ans, mon Konzambouk. Sur 26 provinces. Nous avons une opposition au gouvernement. Et dans la représentation de la province, tant qu'on a créé un sankourou, terrassé, bah, et bien goûté. N'a qu'un à l'omela, n'a éveillé caoutchouc, on zamba pesa bango. Mais couveuse, bah, et bien goûté. Et c'est là qu'il maman, oh, femme sage, à ça la hochette, n'a quitté t'es là, ils ont mal, hochette. N'est pas béni couveuse. Le kouta, il y a un escalier. Mais vérité, il y a un solo la parfait. Naba leader non sur la sankou. Mon konzi amboka akei. D'abord, on a l'autre jazan en dawa olal. Gouvernement, go bozoe laka. D'ici là, on a goyamba, mon amboka Bernou Lamb. Ou aza président de l'Assemblée provinciale à sankou. Place au bas député, parce que maintenant, quitte à Kola Lati. Nenge Nayoka, à travers la collègue assemblée provinciale à Sankourou, sénateur Guy Luano, à Kabela Bango Bakit. Nenge Nayoka, menga na monati, men Nayoka Bongo. Merci, na mon amboka, Dieu Makesela, Didier Kikou, Amon Sulubaki, Manix Kimolo, Epengé Fofana. Merci na mon amboka Eliezer. O asala tokomi wapi. O lelo. Toza akredite ne place mon kote. Me die ma kese la. Parmi ba image.
où va tu vas vivre les lots, où va quand va protéger les lots, ils abat image à Dieu ma question là. Tant que tu as encore tenu limité, tu as là qui combien?